passer à Kleber. Si tu veux bien. Merci. Bonjour à tous. Je voulais remercier aux organisateurs de l'atelier, de la famille Zondus, enfin pour l'accueil. Je vais juste, par rapport au titre qui a été affiché, Deleuze et les politiques de l'anomalie, en fait, le titre entier, c'est pour poser un problème communicationnel, Deleuze et les politiques de l'anomalie. Je vais passer directement à la lecture, je ne vais pas tarder. Des figures majeures de la philosophie du XXe siècle semblent tourner le dos à la communication en tant que problème. Les philosophiques, en tant qu'elle a affaire avec la création, avec l'impensable qui ne peut être communiqué mais qui doit être pensé, en tant que différence interne d'une pensée, devraient être dès lors nettement séparées du communicationnel, reléguées au domaine de l'opinion, du bon sens, du sens commun. Ainsi, toujours une espèce de verdict qui dirait « penser, c'est créer, ce n'est pas communiquer ». On reconnaîtrait aisément dans le domaine du nomos la notion du commun comme norme, loi, mesure exacte. En même temps, les cibles philosophiques des critiques qu'en Deleuze, par exemple, a fait à la communication, ou Selle et Habermas, par exemple, pour ne citer que ces noms-là, menaient à bien cette vieille conception communicationnelle, inséparable de l'image récognitive de la pensée, en la rendant inséparable de l'avenir de la philosophie à travers l'intersubjectivité, l'ordoxa, l'éthique communicationnelle, etc. Nous proposons ici de lire certains aspects de la pensée deleuzienne qui nous semblent constituer une problématique communicationnelle. Elle ne se laisserait réduire ni à la vieille conception communicationnelle, ni à son déploiement dans certains acheminements philosophiques du XXe siècle. Au contraire, elle s'imposait en plan d'où leur double critique serait rendue possible. Car si la notion du commun est critiquée d'un côté et reléguée au domaine du nomos, du normatif, des universaux, de l'homogène, il y a d'un autre côté toute une sorte de communication hétérogénétique, intensive chez Deleuze, seule avec Guattari, qui doit être problématisée selon les coordonnées d'un domaine autre, celui de l'anomalos et sa politique propre. Une toute autre image de la communication peut s'en dégager. Ça, c'est une petite introduction. Et là, je passe au premier point de mon texte, qui s'appelle « Deux régimes de communication, des distributions et d'hiérarchie ». Dans différentes répétitions, Deleuze s'attache à distinguer, non pas exactement deux modèles, mais deux expériences de pensée tout à fait dissemblables. Elles sont inséparables des deux opérations qui instaurent deux modèles qui n'ont pas les mêmes modes de fonctionnement et à la limite qu'on pourrait manier, remanier dans la machine à penser selon subtile ingénierie dressée par l'empirisme transcendantal. Les modèles du jugement et les modèles de la proposition. Je cite Deleuze, « Nous n'avons pas de peine à comprendre que l'être, s'il est absolument commun, n'est pas pour cela un genre. Il suffit de remplacer le modèle du jugement par celui de la proposition. » Point de citation de différentes répétitions. Ce qui est remarquable dans ces passages, c'est que d'un modèle à l'autre, on passe à une notion de commun qui ne se réduit pas à la généralité, c'est-à-dire à une liaison qui ne suppose aucune forme d'identité médiatrice, aucune norme capable de mesurer de l'extérieur. Pour comprendre cet enjeu communicationnel au cœur de la problématique métaphysique deleuzienne, il faut être attentif à la distinction entre deux acceptions concernant la hiérarchie et la distribution dans chaque modèle. Cite Deleuze à nouveau, nous devons d'abord distinguer une distribution qui implique un partage du distribué. Il s'agit de répartir le distribué comme tel. Point de citation. Les modèles du jugement, les règles d'analogie, des passages de particulier au général, de la différence à l'identique à travers la ressemblance, sont les éléments d'un mode spécifique de fonctionnement de la machine à penser et l'expérience qui lui correspond, la récognition. Par elle,
Nous vivons dans l'élément de la représentation. Le bon sens et le sens commun en tant que qualité du jugement sont eux-mêmes des principes de répartition et déclarés comme le mieux partagé. Je suis Deleuze, un tel type de distribution procède par détermination fixe et proportionnelle, assimilable à des propriétés ou des territoires limités dans la représentation. Deleuze invoque une question agraire à la base de cette organisation du jugement comme faculté de distinguer des parts. Tout se passe comme si la métaphysique de l'être figé, statique, bien partagé, critiqué par Deleuze, ne fut que l'extrapolation d'une organisation agraire de l'expérience. De l'autre côté, Deleuze distingue une distribution tout à fait dissemblable de cette distribution agraire et sédentaire, et qu'il propose d'appeler nomadique, un nomos nomade, sans propriété, enclos ni mesure. Ce qui se distribue n'est pas, dans ce cas, partagé. Ce qu'on y trouve, c'est une vraie répartition, je cite Deleuze, répartition de ce qui se distribue dans un espace ouvert et limité, du moins sans limite précise. Fin de citation, la particule C qui accompagne le verbe distribuer en sens précis dans cette philosophie du on, de la puissance impersonnelle, de la quatrième personne du singulier, comme dit Deleuze, qui destitue toute forme de rapport de médiation entre les sens et le monde, entre la pensée et la vie, c'est-à-dire ce rapport qui consiste dans la reconduction du multiple à l'un, du devenir à l'être, du mouvant à l'absolu immobile, pour ne se soucier que des relations immédiates entre des singularités libres qui peuplent et se répartissent en tourbillon sur un champ transcendantal impersonnel, en l'instaurant par là même sans cesse dans une continuelle individuation intensive, c'est-à-dire suivant la réalité vécue d'un domaine sous-représentatif qui a la différence des potentiels ou l'intensité comme unité de mesure, ou comme dit Deleuze, la différence des différences comme élément immédiat. Deleuze parlera, je cite encore Deleuze, de cette schizophrénie des droits au mépris de toutes les médiations, pour caractériser une expérience qui a le sens profond de l'expérir, c'est-à-dire, tel comme l'indiquait Philippe Javoski dans une introduction à un livre de Melville, le Taipi, en citant Philippe Lacoulabart, expérir au sens de traverser d'un danger comme perte ou éloignement des vérités intérieures ou données extérieures, supposant un effort paradoxal ou un athlétisme affectif qui ne révèle sinon des forces qui ne sont pas celles du sujet, mais de l'involontaire, en l'exposant au désastre comme l'ombre de l'engendrement des mondes nouveaux, de l'événement irréconnaissable auquel il faut pourtant croire. L'éternel retour dont va nous parler Deleuze comme croyance moderne ne serait que la pensée qui rejoint la profondeur, le pur spatium intensif suivant une expérience transcendantale qui, on verra, devra être compris comme politique dans un sens spécial. En fait, on est en face ici à deux régimes de communication diverses. D'un côté, le commun est ce qui résulte d'un processus de médiation, dont les opérations dans la machine à penser sont distinguées dans différentes répétitions, comme ce qui constitue le monde de la représentation, avec ses rapports convergents et concordants entre les facultés, imagination, sensibilité, raison, entendement. D'un autre côté, le commun nous est présenté comme ce même, dans ce même ouvrage, comme ce qui consiste dans une relation interne de la différence avec soi, impliquant d'autres opérations dans la machine à penser, tout un rapport divergent et une communication aberrante entre les facultés. Bref, ce que Deleuze appelle le monde sentient des métamorphoses des intensités communicantes. Appelons communication médiatique à cette opération qui repose sur le principe d'analogie, celui qui à son tour présuppose l'attribution de l'être à des existants particuliers,
à des individus constitués qui ne peuvent pas rendre compte de ce qui constitue leur individualité sans se comprendre déjà dans une distribution des types sédentaires. Cette communication implique, outre la distribution sédentaire, une hiérarchie qui mesure les êtres, chez Deleuze, qui mesure les êtres d'après leurs limites et d'après leurs degrés de proximité ou d'éloignement par rapport à un principe. Fin de citation, de différence répétition. Mais il faut nommer, ou je propose ici de nommer communication médiatique, à ces modes de relation, chaque singularité se confond avec les mouvements qui l'emportent avec d'autres singularités, de manière à tracer des espaces nouveaux. Distribution démoniaque et non pas divine, dit Deleuze, car les dieux possèdent chacun leur domaine, leur catégorie, leurs attributs, en distribuant aux mortels des limites en conformité avec le destin. Mais la particularité des démons consiste en ceci, sauter les barrières et cloisons, brouillant les propriétés pendant leur passage et, je cite Deleuze, à opérer dans les intervalles entre les champs d'action de Dieu. Fin de citation. Les sauts immédiats nous renvoient à une toute autre hiérarchie qui considère les choses et les êtres d'après leur puissance. Je cite Deleuze, il ne s'agit pas des degrés de puissance absolument considérés, mais seulement de savoir si un être saute éventuellement, c'est-à-dire dépasse leurs limites, allant jusqu'à l'extrême de ce qu'on peut. Fin de citation. Voilà. Or, la médiation désigne cette limite au sens des bornes extensibles qui maintient une chose sous une loi, sous ce régime du commun, où ce qui importe, c'est la fixation des normes d'après lesquelles on inclut dans la mesure même où l'on exclut, c'est-à-dire on intériorise selon la proximité ou l'éloignement par rapport à un principe, en séparant tout ce qui, à force de dévier, ne peut que transgresser la mesure préalablement établie. Mais l'immédiation s'est dit de cette limite au sens des seuils intensifs, à partir de laquelle chaque chose se déploie en déployant toute sa puissance. Et Deleuze dit qu'elle est plus proche de la démesure que de la première mesure, plus proche de l'hybride et de l'anarchie des êtres que de la première hiérarchie. Bref, dit Deleuze, l'être égal est immédiatement présent dans toutes les choses sans intermédiaire ni médiation, bien que les choses se tiennent inégalement dans cet être égal. Fin de citation. C'est ainsi que Deleuze peut dire que l'université de l'être signifie en même temps distribution nomade et anarchie couronnée, renversement et non pas transgression, le monstre de tous les démons. Je passe au point 2, qui s'appelle la ligne abstraite ou la communication de l'éclair avec la lumière. Le déplacement d'une expérience communicationnelle à l'autre devient encore plus radical plus tard dans les tomes 1 de Capitalisme et schizophrénie, dans le Kafka pour une littérature mineure, et coécrit avec Guattari. Bornons-nous dans les limites de cet article à lancer un regard sur 1000 plateaux, tome 2 de Capitalisme et schizophrénie. Or, la schizoanalyse s'efforce surtout de décrire à la limite de Meunier deux modes de rapport pratique, deux modes de rapport pratique qui constituent les divers domaines de la vie, disent Deleuze Guattari. Ce qui est en question dans les rhizomes, c'est un rapport avec la sexualité, mais aussi avec l'animal, avec le végétal, avec le monde, avec la politique, avec les livres, avec les choses de la nature et de l'artifice, tout différent du rapport arborescent. Fin de citation. Les 1000 plateaux. Il faut être attentif donc à ces rhizomes communs, c'est une expression qu'on trouve dans les 1000 plateaux, rhizomes communs, non attribuables ni signifiants, qui opèrent immédiatement dans l'hétérogène, ils sautent d'une ligne différenciée à une autre. Tel un virus et sa double connexion avec l'ADN d'un babouin et l'ADN de certaines espèces de chats domestiques, ou l'évolution à parallèle entre la guêpe et l'orchidée. Deux êtres, comme dit Deleuze Guattari, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, citant Rémi Chauvin, c'est-à-dire qui n'ont rien en commun au sens d'un élément médiateur qui pourrait les mesurer l'un à l'autre, mais qui se communiquent immédiatement
suivant double devenir. Autant dire les mêmes des amours abominables, chers à l'Antiquité et au Moyen-Âge, et c'est, disent Deleuze Guattari, communication transversale qui brouille les arbres généalogiques. Enfin, communication ponctuelle liée à la mémoire qui présuppose une relation localisable qui va d'une chose individuelle à l'autre, qui établit des résonances entre les contenus et l'expression à l'origine des stratifications, d'un côté, et communication qui instaure un mouvement transversal et individuant qui importe une chose et une autre en les faisant varier, communication qui prend la vitesse au milieu, ou ce que Deleuze et Guattari appellent, dans le Mille Plateaux, communication d'à côté. Ce qui intéresse, c'est libérer la ligne, et l'on n'y arriverait sans élaborer un système ponctuel pour les faire craquer, sans les fabriquer, je cite Deleuze ou Guattari, pour se l'opposer comme un tremplin pour sauter. La ligne devenant diagonale, transversale, la droite libre, ou bien la courbe, la ligne sans origine, fin de station. De toute manière, le devenir qui fait liaison, la ligne qui a perdu toute fonction représentative, toute fonction décernée une forme quelconque. N'était pas déjà les problèmes qu'on retrouve ici dans Mille Plateaux, celui qu'on trouvait déjà dans Différence et Répétition, n'était pas le problème de la différence par-delà des deux aspects de l'indifférence, c'est-à-dire, je cite Deleuze, d'un côté l'abîme indifférencié, le néant noir, l'animal indéterminé dans lequel tout est dissous, et d'un autre côté le néant blanc, la surface redevenue calme ou flotte de déterminations non liées comme membres éparses. N'étant pas un intermédiaire entre ces deux extrêmes, la différence, Deleuze nous la propose comme le seul extrême, la différence est la détermination, l'éclair qui se distingue du ciel noir, qui ne s'en distingue pas. Deleuze parle d'une lutte cruelle et monstrueuse contre une expression qu'on trouve dans Différence Répétition, un adversaire insaisissable qui ne se révèle qu'au moment où le fond indéterminé remonte en même temps que la forme détermination se réfléchit dans le fond, dans ses fonds. Ce double mouvement est le seul mouvement extrême d'une ligne abstraite communicationnelle. Ce n'est qu'en arrachant la différence à la machine médiatique que la pensée insomniaque devient ces moments, je cite Deleuze, ces moments où la détermination se fait une à force de soutenir un rapport unilatéral et précis avec l'indéterminé. La pensée fait la différence, mais la différence, c'est le monstre. Fin de citation. Par-delà les couples matière-forme et de la médiation qui les lie dans le monde de la représentation, c'est cette ligne abstraite communicationnelle, je cite Deleuze, qui fait fonctionner la machine entière de l'indéterminé et de la détermination, engendrant pensée dans la pensée, les fondements et les mondes du « on ». Fin de citation. À partir de cette présentation un peu confuse de ces partages que j'essaye de faire chez Deleuze à partir de deux communications, je passe j'essaye de passer au problème qui concerne vraiment l'atelier, qui serait la question de l'anomalie. Donc, le troisième point, c'est politique de l'anomalie, politique du comment. Le problème de cette différence extrême comme liaison est celui de l'hétérogène, qui n'est pas en homogénéité des rangs supérieurs, mais, comme le faisait remarquer Zorabishvili, les caractères originels d'une liaison. Quel est le type de liaison qui revient à l'hétérogène? Il n'y a rien d'autre. Et quel est son rapport avec l'anomale? Chez Deleuze, le passage des conditions de l'expérience possible aux conditions de l'expérience réelle suppose une dérive, le déplacement d'un régime communicationnel à un autre, la réintroduction du désir dans la logique qui devient par là supérieure. Je cite Zorabishvili, sur qui je prends appui dans ces points de mon texte.
Passer de l'expérience possible à l'expérience réelle, d'une pluralité des modes de donation qui jamais n'affectent la chose même de l'intérieur, mais la répartit en choses différentes, chacune demeurant égale à elle-même. Un pluralisme de la chose même où la critique questionne la variation interne et sont devenues irréductibles. L'on n'a pas pu, fin de citation, l'on n'a pas pu infini avec les jugements de Dieu, sans d'un même coup, plus profondément peut-être, poser les problèmes communicationnels. Car l'opération médiatique est avant tout celle qui fait que les désirs deviennent, je cite Zorabishvili, ce qu'il est en tant que la pensée l'exclut d'elle-même. Fin de citation, c'est-à-dire le désir en tant que pur inverse du logos comme raison, ou, pour dire comme Zorabishvili, cette instance capricieuse, turbulente, inconstante, ennemie en somme de toute mesure. Fin de citation. Si chez Deleuze la critique, ou ce que Deleuze entend pour critique, ne se soucie plus de la forme des phénomènes, mais s'est fait clinique en se demandant quelle volonté s'investit dans les phénomènes, c'est parce qu'on quitte la forme comme médiation, c'est-à-dire cette pluralité extensive ou qualitative, pour ne se soucier que des forces immédiates qui rendent compte de ce monde en variation intensive. Les rapports de la logique au désir chez Deleuze passent par cette conception du commun comme liaison intensive, car en tant que la logique rationnelle impliquait une coupure entre raison et désir, je cite Zorabishvili encore, la croyance en mesure originaire, pure de toutes les mesures, commandant à nous-mêmes et aux choses, fin de citation, supposant donc le domaine du nomos, la logique supérieure abordera les champs pluriels et inquiétants du désir ou de l'expérience réelle. Par là aussi, elle s'avère une politique. Je cite Zorabishvili. Les droits, c'est de bien découper les champs du désir, d'en tracer les lignes des fractures, et il peut arriver que ces champs se fracturent autrement, qu'il faille remanier les découpages. Fin de citation. La jurisprudence à laquelle Deleuze faisait souvent référence comme, la possibilité d'une discipline créatrice, où se joue beaucoup de ce qu'on comprend pour politique chez Deleuze, lien droit et logique du désir passe par toute une ingénierie de l'intensif qui revient au domaine de l'anomos. Et c'est les médecins de la civilisation diagnostique et remanie les catégories de l'actuel, c'est-à-dire d'une civilisation donnée, c'est toute la médecine qui passe par cette ingénierie des rapports intensifs. Nous avons vu que ce qui est libéré ou réinstauré perpétuellement avec la ligne abstraite, c'était les monstres de tous les démons, comme disait Deleuze, les sauts qui emportent les points, les distances et les proximités dans une seule précipitation, dans la profondeur où s'enfonce l'espace intensif. La tératologie de Geoffroy Saint-Hilaire, celui qui a eu, d'après Deleuze Guattari, les pressentiments d'un certain rhizome animal aux communications aberrantes, est reprise par Deleuze Guattari. Il prolonge la voie ouverte par Canguilhem, qui renvoya Geoffroy pour penser au-delà du normal et de l'anormal, l'anomal comme ce qui définit en propre le mouvement inventif de la vie. La forme commune fonde à travers l'habitude d'une moyenne statistique le jugement des caractères spécifiques ou génériques et permet ici la médiation qui rapporte les êtres à ce qui est général, la règle, en les mesurant d'après leur ressemblance, proximité ou conformité, ce qui est défini comme normal, ou leur absence de ressemblance, leur éloignement, leur déviation, la normale. Mais il faut distinguer de cette forme une force qui est formation commune et continuée et qui résulte d'une position ou ensemble de positions par rapport à une multiplicité. C'est la bordure d'une multiplicité qui constitue non pas un centre, mais ce que Deleuze et Guattari appelle l'extrême dimension en fonction de laquelle on peut compter les autres, toutes celles qui constituent la motte à tel ou tel moment. Fin de citation d'Émile Plateau. On retrouve dans ces phénomènes des marges et des bords qui définissent l'anormal, l'aspect communicationnel d'une expérience qui ne passe par aucun type de médiation mais se fait immédiatement entre des termes tout à fait hétérogènes,
à manière d'une propagation ou épidémie. Je cite Deleuze et Guattari, par exemple, un homme, un animal, une bactérie, un virus, par exemple, un homme, un animal, une bactérie, ou alors un virus, une molécule, un micro-organisme, ou alors encore la truffe, un arbre, une mouche et un cochon. Ainsi, si les turbulences, les irrégularités, les phénomènes de bordure, les mille catastrophes peuvent indiquer des zones anomales ou des potentiels politiques doivent être cherchés, il faut se demander en quoi peuvent consister ces potentiels, ces liaisons monstrueuses et leur communication aberrante, ou pour reprendre une des questions de cet atelier, je cite votre présentation, existe-t-il quelque chose à penser comme une anomalie politique ou des formes d'anomalie sociale et politique qui pourraient être envisagées comme des forces de rupture dans l'ordre sociopolitique? Et si oui, comment s'expriment alors ces anomalies? Alberto Toscano, dans un article sur la politique chez Simondon, arrive à une intéressante conception d'un commun sans communication qui implique l'invention d'une communication entre des séries incompossibles, l'invention d'un commun qui n'est pas donné par avance et qui surgit sur fond d'inégalité. C'est comment cette idée de commun permet de comprendre la notion de métastabilité chez Simondon comme quelque chose d'autre qu'un potentiel au sens de pré-individuel de l'homme. Il fournit ainsi un milieu privilégié pour ce que Toscano appelle l'entrée en politique d'une pensée de l'individuation, comme celle de Simondon. Car ce que Toscano appelle des disparitions pré-révolutionnaires n'est pas possédé en commun à manière d'un partage originaire, ni doit être compris comme le changement social. Car ce que Toscano appelle des disparitions pré-révolutionnaires n'est pas possédé en commun à manière d'un partage originaire, ni le changement social n'est figé dans un antagonisme préfiguré. Et ces individuations massives, par exemple l'idée de lutte des classes, mais passe par une désindividuation, par une, comme dit Toscano, contre-effectuation de la métastabilité à l'intérieur du groupe ou d'un groupe, fin de citation, par l'inégal ouvrant de nouveaux potentiels au sens de virtualité cette fois-ci. Ainsi, l'invention d'une nouvelle configuration sociale passe par des zones d'anomalie qui mettent l'expérience aux prises avec quelque chose qui ne peut pas apparaître, quelque chose de proprement inhumain, inconscient, invivable, avec un pré-individuel qui ne se réduit pas à un potentiel ou réserve, à une nature humaine ou travail vivant, source de nouveaux énoncés, capable de résister au capitalisme contemporain, par exemple. La politique de l'anomalie, ou ce qui pourrait être défini comme des politiques de l'anomalie, n'aurait donc aucun rapport avec la latence d'une vie collective et grégaire, avec ce que Toscane appelle un réservoir de créativité qui pourrait s'exprimer dans une occasion politique. Fin de citation. Mais elle a à voir avec la disparition comme deux échelles des, je cite encore Toscano, deux échelles des réalités disparates entre lesquelles il n'y a pas encore de communication interactive. Fin de citation, c'est-à-dire il n'y a pas encore de communication compossible ou convergence des singularités. Actualisation. C'est là que la révolution peut être vue comme un état des choses, comme Deleuze souvent nous invite à voir, à la voir. Mais au plan des échelles des réalités disparates, il y a cette communication incompossible par laquelle la divergence ou la disjonction deviennent affirmatives et non plus exclusives selon l'usage négatif médiatique de la communication. C'est dans les plans de cette communication donc qu'on peut parler de devenir révolutionnaire, au sens où Deleuze essaie de distinguer toujours devenir révolutionnaire de révolution. Je cite Deleuze, Logique du sens, « La perspective, le perspectivisme de Nietzsche est un art plus profond que celui que le point de vue de Leibniz, car la divergence d'être, cesse d'être un principe d'exclusion, la disjonction cesse d'être un moyen de séparation, l'incompossible est maintenant un moyen de communication. Plus rien ne subsiste
que l'événement seul, eventum tantum, pour tous les contraires, qui communique avec soi par sa propre distance, résonnant avec toutes ses disjonctions. Fin de citation. C'est comment c'est dit du monde du haut, comme on a déjà dit, et ces perspectives anonymes qui impliquent la dissolution non seulement de l'opposition, moi autre, mais aussi, je vais effacer ça, désolé, c'est le problème de passer 5 minutes sans dormir, on devient un peu bizarre. C'est comment se dit du monde du on et ses perspectives anonymes qui impliquent la dissolution. Bon, c'est monde du on. En lui, il ne subsiste que la singularité libre, pré-individuelle, impersonnelle. Mais il faut faire attention à ces points parce que cette idée des hanches de l'aise n'est pas en absence de détermination. Ce que Deleuze appelle le « ear one », je ne sais pas comment prononcer les jeux des mots, E-R-E-W-H-O-N, ear one. Les « ear one » de déterritorialisation absolue chez Deleuze est aussi ce qu'il appelle de, ici maintenant des forces étouffées dans un certain milieu. Léon importe en soi-même une perspective qui est sa situation matérielle, comme l'a bien montré cet homme-là, au coin, dans un texte récent, Fanon, un héritage. Ce n'est qu'à l'endroit, je cite M. Ajari, ce n'est qu'à l'endroit de ces chiasmes entre perspective et situation matérielle, c'est-à-dire le Erwan et le No Here, que des luttes politiques peuvent s'entamer par-delà les schémas transgressifs qui impliquent encore les références aux normes, aux principes figés, décalqués des individus déjà constitués. Je cite Deleuze, « L'être ne peut s'affirmer comme un genre commun sans qu'on détruit la raison par laquelle il est ainsi affirmé, c'est-à-dire la possibilité d'être pour les différences spécifiques. Donc il est compréhensible que du point de vue de l'analogie, tout se passe en médiation et en généralité, en retenant du particulier seulement ce qui est conforme au général, forme ou matière, elle, l'analogie, cherche le principe d'individuation dans un ou autre élément des individus déjà constitués, fin de citation de différentes répétitions. Autrement dit, un régime de pouvoir, on est ici devant un régime de pouvoir, ou une politique du comment, qui fonde la politique dans ce que Deleuze et Guattari appellent des segmentarités dures, molaires, majeures, avec ses binarités inclusives et exclusives, hommes, femmes, urbains, ruraux, blancs, noirs, chez moi, étrangers, adultes, enfants, comme dans toutes ces machines binaires de pouvoir qui codifient les socius d'après l'opération médiatique. Au contraire, les politiques de l'anomalie impliquent ce que nous avons appelé l'opération immédiatique. Je cite encore Deleuze, « L'être univoque se rapporte essentiellement immédiatement à des facteurs individuants, c'est-à-dire non pas des facteurs qui seraient des individus déjà constitués dans l'expérience ordinaire, mais à ceux qui en eux, dans les individus constitués, agissent comme principe transcendantal, comme principe plastique, anarchique et nomade, contemporain du processus d'individuation, et qui n'est pas moins capable de dissoudre et détruire les individus que de les constituer temporairement. » Fin de citation. Dans ce qu'on vient de lire chez Deleuze, non pas l'idée d'une transgression, mais un renversement de la machine médiatique. Des créations inouïes deviennent réelles, toutes sortes de devenirs passent par ces devenirs révolutionnaires. Voilà pourquoi Deleuze affirmait qu'il n'y a jamais eu métaphysique, mais seulement des politiques de l'être. C'est pourquoi Fanon aussi faisait la décolonisation passer par l'être même, détruisant ses hiérarchies et distributions. La station coloniale intégrale mise en cause, comme disait Fanon, modifiant fondamentalement l'être, de telle manière que la singularité pourrait à nouveau parler, ou pour citer encore Fanon, des spectateurs écrasés d'une essentialité transformés en acteurs privilégiés. Elle introduit dans l'être un rythme propre, apporté par les nouveaux hommes, un nouveau langage, une nouvelle humanité. La décolonisation est véritablement création d'hommes nouveaux,
Mais cette création ne reçoit sa légitimité d'aucune puissance surnaturelle. La chose colonisée devient homme dans le processus même par lequel elle se libère. Fin de citation de Fanon, le damné de la terre. L'abolition intégrale de la situation coloniale implique non pas une espèce d'antinarcissisme, lequel reste encore trop transgressif, anormal, pas suffisamment perversif, anormal. Cette abolition comprend le risque de confondre la réalité du devenir avec celui qui devient, le devenir indigène avec l'indigène, reconstituant de nouvelles polarités par lesquelles Narcisse est ressuscité, ne finit pas de ressusciter là où il fallait faire le monstre, dans sa violence absolue, aussi bien dans la pensée que dans la vie, en les faisant communiquer mais immédiatement dans une pratique concrète et créatrice de nouveautés. Donc, pour conclure ce texte qui n'a aucune apparence d'avoir une conclusion, je dirais que là où Deleuze dit penser, ce n'est pas c'est créer, ce n'est pas communiquer, je dirais penser, c'est créer, ce n'est pas communiquer médiatiquement, mais pour créer, il faut toujours faire communiquer des hétérogènes, établir des liaisons immédiates. Et c'est à cet aspect de la communication que j'essayais ici, de façon un peu chaotique, de parler. Merci de votre patience.